Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un des chapitres clés du programme de terminale de SES, chapitre de sociologie, comment est structurée la société française actuelle. Donc, dans une première partie, nous allons analyser les facteurs qui permettent de hiérarchiser la population au sein d'une société, à savoir la société française actuelle. Ce qui est compliqué avec cette première partie, c'est qu'il y a un très grand nombre de facteurs, et on va essayer de les découper de façon logique. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la position socio-professionnelle. La position socio-professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend la PCS, le revenu, le diplôme. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des critères socio-économiques qui vont donc mélanger des critères économiques et des critères sociaux. Pourquoi on les mélange? Parce qu'on observe très bien dans la réalité qu'en fait, ils interagissent entre eux. Ils se mélangent et s'influencent. Donc, ça n'aurait pas de sens d'ignorer les uns ou les autres. La PCS, c'est donc la profession et catégorie socio-professionnelle qui va déterminer la valeur que la société donne à un individu à travers son emploi. Et ça, dans nos sociétés, c'est assez fort. Louis Chevel, à travers une pyramide, a hiérarchisé les PCS d'actifs à travers quatre groupes socio-professionnels salariés qu'on voit dans la pyramide, et puis deux groupes socio-professionnels indépendants qu'on voit juste à côté. Ce que ça veut dire, ça veut dire que les indépendants, comme ils ont des positions beaucoup plus hétérogènes au sein de leur groupe, c'est beaucoup plus difficile d'y hiérarchiser par rapport aux salariés. Donc il les a mis à côté, mais vous voyez qu'il y a une logique de haut en bas de hiérarchie. La deuxième chose, c'est le diplôme. Le diplôme, on l'a vu que c'était corrélé avec lien de causalité à l'emploi et que l'emploi était lui-même corrélé au revenu. Pourquoi on rajoute diplôme et revenu? Parce qu'ils ne sont pas directement dans les PCS. Et ben, le diplôme vous apporte un emploi plus valorisé, qui va valoriser vos compétences et qui va donc être mieux rémunéré. Le revenu, lui, on le sait, ne vient pas exclusivement du travail, il peut aussi venir du capital. Donc on va regarder le revenu. Et ce qui est intéressant avec l'infographie ici, c'est qu'on voit une inégale répartition des revenus en France. Par contre, on ne fait pas l'erreur de regarder le salaire, on prend le revenu disponible. Le revenu disponible, c'est quoi? C'est le revenu total, travail, capital, les allocations éventuelles, les prestations sociales. On enlève les impôts, on enlève les cotisations sociales. C'est pour ça qu'on l'appelle revenu disponible. Et on voit que derrière une médiane à 1 800 euros, si on découpe la société en 10, on a 10 déciles, et les 10% les plus pauvres ont un revenu disponible inférieur à 900 euros. Les 10% les plus riches ont un revenu supérieur à 3 500 euros. Petite remarque, on a pondéré les ménages par le nombre de personnes dans ces ménages. Sans entrer trop dans le détail, on sait très bien qu'un couple sans enfant, à revenu égal, n'aura pas le même niveau de vie qu'un couple avec trois enfants. Donc on apporte une pondération aux personnes du ménage et ça vous donne cette infographie. Petite remarque au passage, si on avait regardé le patrimoine, on aurait vu que la distribution est encore plus inégale. Vous avez chez les 10% les plus pauvres, pas de patrimoine. C'est-à-dire un patrimoine net, donc déduit du crédit, inférieur à 3 000 euros. Chez les 10% les plus riches, vous avez un patrimoine supérieur à 600 000 euros, 600 000 euros net. Et donc on voit très très bien que les inégalités de patrimoine sont plus fortes que les inégalités de revenus. Et au passage, une remarque, c'est que le revenu ne se transmet pas et que le revenu ne génère pas lui-même du revenu, contrairement au patrimoine qui lui s'hérite, se donne et génère éventuellement du revenu. Donc n'oubliez pas la pertinence du patrimoine. Avec ce caractère multidimensionnel, à travers la position socio-professionnelle, le but du jeu, c'est quoi? C'est d'essayer de regrouper les individus en fonction de caractéristiques communes qui amèneront des comportements communs, de la consommation, par exemple de loisirs, ou alors des modes de vie communs. Évidemment, il y aura des disparités, parce qu'il ne faut pas imaginer que ce classement en PCS apporte des cases très... très étanche, hein. Il y a des barrières qui sont plutôt poreuses, mais ça donne une idée sur des comportements similaires. Par exemple, si on regarde un petit peu les cadres et professions intellectuelles supérieures, on pourra regarder des comportements électoraux ou alors les types de consommation à travers le ménage qui sont plus ou moins homogènes. Alors, bien entendu, ces critères au sein de la position socio-professionnelle sont liés. C'est-à-dire que si on regarde les différences de revenus entre un cadre et un ouvrier, c'est de 1 à 2. C'est-à-dire qu'un ouvrier gagne en moyenne deux fois moins qu'un cadre.
Un ouvrier a 3 fois moins de patrimoine en moyenne qu'un cadre. Mais vous aurez d'autres différences que vous ne verrez pas forcément. De même, l'espérance de vie. On n'en a pas parlé, mais l'espérance de vie d'un ouvrier est 7 ans plus courte que celle d'un cadre. Donc vous l'aurez compris, quand on parle de stratification, il ne faut pas s'imaginer un plan en 2 dimensions dans lequel on pourrait placer les individus. On est plutôt sur un espace en 3 dimensions, voire plus, mais ce qui va être compliqué à imaginer, dans lequel les individus se placent. Et si on n'utilise qu'un seul critère, finalement, on aurait un plateau sur lequel seraient répartis les individus. Mais si on croise ces critères entre eux, on pourra toujours, selon la valorisation qu'on donne à chaque facteur, arriver à hiérarchiser notre population. C'est-à-dire qu'on peut donner plus d'importance au diplôme, plus d'importance au revenu, et la hiérarchie changera. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va changer, mais elle ne va pas s'inverser, car on l'a vu, les critères sont liés entre eux. Deuxième catégorie de critères, la position dans le cycle de vie et le genre. Alors pourquoi on parle de position dans le cycle de vie et pas d'âge? En fait, l'âge, c'est un marqueur biologique, mais ce marqueur biologique, il peut être très différent d'un véritable marqueur social. C'est-à-dire qu'à 20 ans, on peut être étudiant comme parent. Et vous doutez bien que socialement, on n'aura pas exactement les mêmes contraintes et pas non plus la même identité sociale, qu'on soit l'un ou l'autre. Donc la position dans le cycle de vie, bah, c'est plutôt regarder quel rôle social on joue. Est-ce qu'on est encore étudiant? Est-ce qu'on est encore considéré comme jeune? Est-ce qu'on est adulte? Est-ce qu'on est parent? Est-ce qu'on est grand-parent? Un marqueur qu'on utilise assez systématiquement en sociologie pour définir la fin de la jeunesse et le début de l'âge adulte, c'est le fait de vivre en couple et d'avoir un emploi. Et donc vous voyez que c'est des seuils, c'est des barrières à franchir pour passer de la jeunesse à l'âge adulte. Eh ben, l'âge adulte va être la position sociale la plus valorisée dans la société. Si on regarde la catégorie des 18-29 ans, on a un taux de pauvreté qui est de 60% du seuil médian de 20%, alors que la population française, c'est en moyenne 14%. Donc on voit que les jeunes sont plus souvent soumis à ces difficultés et à ces précarités parce qu'ils ont des ressources financières moins importantes. Ils sont obligés d'étudier. S'ils étudient, ils ne peuvent pas forcément travailler. S'ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas de revenus. Ils ont donc des difficultés à accéder, par exemple, au logement. Ils peuvent aussi avoir des difficultés pour accéder à un premier emploi, du fait qu'ils n'aient pas d'expérience. On l'a vu pendant les périodes de confinement, ils pouvaient avoir des difficultés liées à l'isolement. Une grande fragilité psychologique pouvait s'ajouter à une grande précarité matérielle. L'impossibilité à se projeter dans l'avenir est caractéristique plutôt des jeunes par rapport aux adultes. À l'inverse, quand on est dans la période de la vieillesse, qui elle-même va pas se définir par un âge, mais on va notamment utiliser soit le fait d'être grand-parent, soit le fait d'être à la retraite, va procurer chez ces individus une recherche de sens, un manque d'utilité sociale que leur procurait leur emploi. Et donc, on va voir que la stratification sociale, en fonction de la position dans le cycle de vie, va les placer un petit peu en dessous. Avec une petite remarque néanmoins, c'est que le taux de pauvreté des plus de 65 ans, il est seulement de 7%. C'est le tiers des jeunes et c'est la moitié de la moyenne en France. Pourquoi? C'est parce que toute une vie d'activité a apporté du patrimoine et que ce patrimoine, quand on est âgé, généralement les crédits sont remboursés et génèrent lui-même des revenus. D'autre part, il faut rappeler qu'en moyenne en France, on hérite plutôt à l'âge de 60 ans. Et donc, c'est plutôt vers l'âge de 60 ans que vous avez un patrimoine maximum, qui après peut commencer à décliner. Mais c'est intéressant de voir le décalage entre l'avancée en âge et la constitution de ce patrimoine. Le genre, ensuite, est un critère de stratification encore très puissant, malheureusement, dans notre société. C'est-à-dire que des inégalités hommes-femmes se retrouvent dans l'ensemble des ressources socialement valorisées en France, que ce soit les loisirs, les tâches domestiques, l'emploi, l'aide, ce qu'on appelle les aidants, la représentation dans les médias. Tout ou presque est quasiment en défaveur des femmes dans l'accès à ces ressources. Des progrès ont été faits, mais il y a encore beaucoup d'inégalités. Si on regarde à temps de travail et à compétences égales, on a toujours 6% d'écart de revenus, par exemple, entre hommes et femmes en 2022. Vous avez un temps partiel qui est beaucoup plus important chez les femmes.
Les critères de genre sont assez globalement répartis dans la société et puis surtout vont être intériorisés de façon quasiment inconsciente, notamment grâce à la socialisation primaire, la façon dont on élève différemment les garçons et les filles, mais aussi la socialisation secondaire à travers les médias ou l'emploi. Si on voit par exemple les différences de répartition dans certains secteurs comme les métiers du care dont on parle beaucoup en ce moment, les métiers du soin à la personne qui sont beaucoup plus représentés chez les femmes. Et malheureusement, ça se traduit aussi par plus de précarité et plus de temps partiel. Enfin, on peut compléter cette analyse avec d'autres critères comme le lieu de résidence ou la composition du ménage. Alors, le lieu de résidence, c'est très intéressant. On se rend compte de plus en plus que si on parle de classe sociale, en fait, on peut quasiment parler de classe géosociale. C'est-à-dire qu'en fonction du lieu où on vit, on n'a pas du tout les mêmes égalités d'accès à des ressources importantes comme le logement ou l'éducation ou même simplement la culture ou alors les services publics. Les musées sont par exemple tous en centre-ville. L'accès aux gares et aux transports, c'est en centre-ville. Plus le logement augmente, plus il est important dans le budget des familles, plus les familles sont obligées de s'éloigner des centres-villes et donc souvent de leur emploi. Plus ils vont perdre du temps en transport, plus ça va être une charge mentale importante pour elles. À l'inverse, si vous êtes en centre-ville parce que vous avez un patrimoine important ou un revenu important, vous avez à votre disposition l'ensemble des offres culturelles, scolaires, médicales, si j'ose dire, à portée de main. La composition du ménage, on s'en rend compte, est très importante dans, notamment malheureusement, les risques de pauvreté. On se concentrait sur les familles monoparentales, qui représentent plus de 10% des familles aujourd'hui. Et ben, ces familles monoparentales sont à 36% sous le seuil de pauvreté. Et ces familles monoparentales, les trois quarts du temps, ce sont les femmes qui sont responsables des enfants parce qu'elles ont majoritairement la garde des enfants. Et donc les familles monoparentales sont beaucoup plus pauvres que la moyenne des familles. Ainsi, tous ces facteurs se combinent. Ils vont pas superposer, ils vont interagir entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va créer un réseau, un système d'inégalités. Et ce sont ces inégalités qui stratifient aujourd'hui la société française. Thank you.